Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange et de partage avec nos invités et nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir Prunelle. Comment Prunelle. Vous allez? Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très super, bien. Très ça bien. Va. Ça va. Très bien. Ça va, la semaine ça a été. Très bonne semaine. Ça va, pas trop fatiguée. Non, la forme. La forme, c'est vrai. Hein. ça a été quand même une semaine assez calme, bizarrement. C'est d'habitude. Ouais, ce sont les dernières semaines calmes vu que c'est les vacances. Oui. Mais bon. Cette semaine a été agréable et vraiment reposante. D'accord, je suis contente de vous voir aujourd'hui après beaucoup de jours sans s'être vu. Alors, qu'est-ce que vous me ramenez pardon, comme nouvelle, actualité, réalité, Tongosa? Qu'est-ce qu'on a raté durant cette semaine? Alors, malgré le calme de la semaine, plutôt paisible, mais on remarque quand même une accélération alarmante d'un virus qu'on appelle, que les anglophones appellent monkeypox, mais qu'en fait, qu'on appelle en français la variole du singe. Variole du singe que, pour ceux qui sont assez sensibles, j'ai décidé de ne pas ramener d'image parce que moi-même, c'est... ça secoue dans l'âme. Donc, la variole du singe qui se répand en accéléré et dans toutes les provinces de la République, selon le ministère de la Santé déjà. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré en tout cas l'urgence, une urgence sanitaire en République démocratique du Congo, mais pas que, hein, en Afrique. Okay. En Afrique aussi, dans d'autres pays d'Afrique, le nombre est vraiment croissant. Et c'est mortel? Oui, ça tue. C'est vraiment mortel. Donc l'OMS demande à ce qu'on déploie des équipes d'urgence. Hein, depuis, voilà. Il fait aussi appel à une mobilisation de tous les acteurs. Hein, wow, afin d'apporter une réponse globale. Et du en coup, tout ça cas, se guérit pas. Et propager au plus vite. Donc, on va dire que c'est une maladie causée. Je vais expliquer un peu. Une maladie causée par un virus. Par un virus de la variole simienne. Les symptômes courants comprennent des éruptions cutanées, comme vous pouvez le voir, des lésions, des douleurs. Donc, la plupart des patients se rétablissent en l'espace d'un mois. Okay. Mais la maladie peut être mortelle, notamment. Les D'accord. traitements aident à gérer les symptômes et éviter les complications. Voilà. Mais ils sont disponibles que dans certains pays, malheureusement. Ils ne sont pas disponibles dans tous les pays. Donc voilà, il se propage, la propagation de ce virus, se propage par des contacts étroits entre les individus avec des animaux infectés. Parce que notamment, c'est comme avec l'Ebola aussi, hein, ça sort des maladies infectieuses qui sont qui se propagent par contact avec des animaux infectés. Voilà, donc c'est une endémie. Hein, centré en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mais depuis, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis les années 70. Okay. Mais elle a connu une propagation rapide dans le monde vers 2022-23, avec des milliers de cas, en tout cas, recensés dans plus de 110 pays. Incroyable. Wow. Donc, mais en RDC, le cas a triplé. Les cas de variole du singe ont triplé en 2023 avec plus de 14 600 cas suspectés et malheureusement 654 décès. Donc en 2024, on remarque que la situation s'est aggravée et le pays enregistre 15 000 cas, plus de 15 000 cas déjà potentiels et plus de 500 morts enregistrés selon les derniers rapports du ministère de la Santé congolaise publiés le 15 août. Voilà, ce 15 août, l'OMS estime vraiment que ce virus coûte la vie à 89 personnes dans le monde par période. Et c'est vraiment alarmant et on demande à tous de pouvoir se protéger. Vous savez, c'est une maladie qui se répand quand on est en contact avec non seulement la personne infectée, mais un animal infecté. Bon, La chose la plus simple à faire, je pense, plus rapide pour prévenir cela, c'est d'abord de toujours avoir les mains propres. Hein. Vous savez, c'est un peu comme avec la fièvre typhoïde. Okay.
C'est une maladie, comme on dit, des mains sales. Il suffit de toucher une surface qui a été infectée par la pandémie, voilà, pour être contaminée. Et voilà, c'est bien dommage. Protégeons-nous. Ok, merci Prisca. Merci pour... C'est assez inquiétant, comme nouvelle. Je crois qu'il y a un vaccin quand même aussi, mais oui, j'ai entendu parler du vaccin, mais il paraîtrait que nous n'avons pas encore atteint la dose requise pour, pour le dispatching. Donc, je pense vraiment que le gouvernement, l'OMS, fera quelque chose pour qu'on puisse atteindre le quota de vaccins. Je sais que c'est quand même une maladie grave. Grave, c'est ça. C'est pas aussi grave que le Covid, parce que le Covid, ça nous a vaccinés, ça nous a vraiment ravagés, traumatisés. La Covid n'a pas, c'est pas d'éruption, hein. Là, c'est. Mais c'est quand même. En fait, c'est très dérangeant. Transmet dans l'air, c'est pire. Oui. Au moins ça, je comprends que c'est le contact physique, c'est peut-être la voie orale. Mais entre ça et une maladie qui se transmet par voie respiratoire, qu'est-ce que tu préfères? Non, je pense qu'on préfère pas tomber malade. On préfère dans tous les cas, c'est ça. Yeah. Voilà pourquoi il faudrait vraiment faire qu'il y ait l'intervention cher, de l'OMS, du gouvernement, afin de restreindre les nombres de cas, surtout que ça commence à dominer la capitale. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse gaffe. Il n'y a pas des mesures de prévention que l'OMS a dictées? Par exemple, des masques, quelque chose comme ça. Ah non, ça va, moi, ça va pas les masques. Peut-être on va parler, il n'y aura pas forcément. Simplement vraiment la savoir propreté, se voilà, la propreté, l'hygiène, se nettoyer les mains très souvent, prendre sa douche au moins deux fois. D'accord. Merci. Et Gracias, qu'est-ce que tu me ramènes comme actualité? Alors, je ramène une actualité qui va sûrement nous faire plaisir et qui va certainement faire plaisir à notre dernier épisode. Notamment par rapport à l'environnement. Oui. Je pense que vous avez entendu parler de l'opération coup de poing, lancée par coup de poing. Je prononce bien, non? C'est un point. Oui. Point. Ok. Alors, non, opération qui a été lancée par notre gouverneur, Monsieur Daniel Mbumba, et opération visant justement à comment je pourrais dire, à nettoyer d'une certaine manière la ville-province de Kinshasa. Donc, l'opération a été officiellement lancée depuis le mardi, il s'agit bien du jeudi 15 août 2024, donc du jeudi passé. L'opération s'est lancée avec certains agents qui ont été recrutés par l'hôtel de ville, aidés du génie militaire ou encore génie militaire, je vais m'arrêter là. C'est un des services des forces armées de la RDC. Donc je pense qu'ils ont vu... l'impact de nettoyer son environnement. Ils ont joint les forces militaires afin de pouvoir justement assurer cette salubrité au sein de la ville province de Kinshasa. Alors, c'est une opération qui est censée se faire en 45 jours. C'est nouveau, c'est étonnant, mais fixé la durée de l'opération à 45 jours afin de nettoyer toutes les surfaces de la capitale. D'où on attend de voir. En tout cas, le début, c'était c'était déjà le 15, donc le jeudi. À partir de là, commençons à compter les jours jusqu'au 45 jours. Et surtout les zones, il faut qu'ils prennent les zones. Quelle zone, Gombe ou Gombe, c'est facile à nettoyer. Oui, c'est assez facile, mais bon, ces temps-ci aussi, il faudrait voir. Il y a certains camions poubelles et des motos poubelles, s'il faudrait le dire, qui déversent leurs déchets dans certains coins vers Gombe. Ok. Oui, j'ai déjà assisté à ça, d'où ça, ça sera peut-être pas évident aussi à nettoyer. Oui. Mais je pense que cette affaire de 45 jours, pour moi, c'est une affaire saisonnale pour moi. Mais en tout cas, d'après l'information, il parle de l'entièreté de l'opération qui est censée se faire en 45 jours. Waouh, ce serait incroyable. Bah, sommet là des stratégies, hein. Oui, et nettoyer, on attend bien, de voir. Bien se débarrasser des déchets, c'est mieux. C'est ça maintenant la question. Ils vont nettoyer, mais après, où est-ce qu'ils vont stocker ces déchets? On ne sait pas. Mais le fait de voir les forces armées intervenir dans tout ce cas-là de salubrité de la ville, ça encourage un peu, ça montre un peu du sérieux, mais bon, on attend de voir. Voilà, on reste en attente. C'est une belle initiative de notre cher gouverneur. Merci les filles, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oui. D'accord, merci en tout cas. Alors, je pense qu'on va débuter l'émission.
Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Juste après, je vais vous présenter notre invité. On est avec une dame exceptionnelle. Par la suite, nous allons passer à la table ronde, notre moment préféré, nos moments d'échange, de partage, de discussion. Et pour chuter, nous allons donner le conseil du jour. Gracias, la citation, s'il te plaît. Alors, pour la citation du jour dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, je veux vous parler, ou encore je veux vous apporter une citation qui nous vient d'une femme africaine nommée Sefi Atta, qui est une romancière et dramaturge nigériane née en 1964 à Lagos au Nigeria. Donc, elle est toujours vivante et elle a 60 ans aujourd'hui. Oh. Et elle est reconnue pour ses romans, ses nouvelles et ses essais qui explorent la vie des femmes africaines, les questions de classe, d'identité et de culture. Mmh. C'est quand même une femme inspirante. C'est vraiment toute une bibliothèque que nous avons là. Et la parole qu'elle nous apporte sur le plateau en cette soirée, c'est « Le féminisme ne signifie pas détester les hommes, mais aimer les femmes et croire en leur égalité. » Je répète, le féminisme ne signifie pas détester les hommes, mais aimer les femmes et croire en leur égalité. Mmh. Alors, est-ce que ça vous parle, les filles? Oui, mmh. Elle a totalement raison dans ce qu'elle dit, parce que beaucoup des hommes pensent que quand on est féministe, on les déteste, tout on est fait. Contre eux, parce que généralement, on entend ça, ouais, encore une féministe, quelqu'un qui est contre. On dirait qu'on est en guerre avec eux, et je pense que des fois, c'est ce que ça renvoie, mmh. Et tout. Mais alors que non, on est juste là parce qu'on a besoin d'égalité tout au niveau fait. De nos droits, au niveau des simplement. Lois, et tout. Alors, oui, elle a tout dit, elle a tout fait comprendre, en fait. Elle a essayé sûrement de donner un résumé pour dire aux hommes que ce n'est pas ce que vous pensez. C'est ça. Parce que généralement, que ce soit les hommes ou encore certaines femmes qui sont beaucoup plus ancrées dans les traditions, ils pensent que le féminisme en soi est une idéologie anti-homme. Vous voyez, on est là pour détester les hommes. On est là pour être contre tout ce que les hommes font ou encore décident. Alors que ce n'est pas ça. C'est tout simplement un mouvement qui vise à promouvoir l'égalité de genre, de exactement. Sexe. Et c'est plus l'égalité politique, sociale, juridique. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment plus dans la société. Et non l'égalité au foyer ou l'égalité dans d'autres perspectives. Non, c'est plus l'égalité des droits. Et je pense que par cette citation, Madame Sefi Atta a voulu s'adresser justement à toutes ces personnes qui ont une image assez controversée ou encore une image assez fondée du féminisme, afin de leur éclairer et leur dire que non, c'est pas qu'on vous déteste, mais qu'on voudrait également être à votre niveau du point de vue sociétal. Vous voyez un peu. Donc c'est une citation qui va de pair avec le sujet de ce numéro, et je pense qu'on va développer davantage lors de la table ronde. Comme toujours, Gracias, et prendre des citations qui vont vraiment... des fois, on dirait que tu réfléchis à ma place. Merci beaucoup, Gracias. Je t'en prie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une invitée. Mais je vais d'abord la présenter avant de dire son nom. Alors, c'est une dame. Elle est fervente activiste de droits de l'homme, militante de droits des femmes. Elle défend et protège, défendre et protéger et promouvoir le droit de la femme et de l'enfant est la devise que prône l'ISADEL, une organisation de droits de l'homme spécialisée dans la promotion et protection des droits de la femme, de l'enfant pendant 30 ans en RDC, manager du prestigieux prix des trophées des femmes d'honneur. Elle est aussi initiatrice du programme de lutte contre les inégalités des genres dans la filière scientifique à travers le concours de mathématiques au féminin. Elle s'appelle Esther Kayembe. Bonsoir Esther. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, toi-même? Oui, ça va. Vous voyez les filles, on n'a pas n'importe qui. Hein. Ça va avec le sujet. On a militante. Aujourd'hui, on va bénéficier de son expertise, de ses arguments, de ses avis lors de cet échange, à la table ronde. Sinon, j'espère que tu es prête. Oui. Parce que là, on va s'armer de... Il faut avoir tes gants. Comme ça, tu vas bien débattre face à Prisca et Gracias. J'ai dit Prisca et Gracias. Alors, et c'est ça, on va plus apprendre surtout de cet échange et on va aussi partager des idées. Yeah. Donc, on pourra être contre tout comme pour. Comme sujet d'aujourd'hui, nous allons parler du féminisme 2.0, arnaque ou progrès. Okay. Alors, vous savez que c'est un sujet qui est
très, très, très sensible. Oui. On en parle, on voit tellement, tellement des affiches, oui, des marches, que ça soit en Occident, surtout en Occident. Et c'est un mouvement qui vraiment fait de plus en plus ravage. Oui. Alors, je pense que les gens, ils sont perdus. Je pense que même nos chers téléspectateurs veulent comprendre féminisme, c'est quoi d'abord le féminisme. Et ensuite, on ira vers le féminisme 2.0. Okay. Et ensuite, on va creuser un peu plus là-dedans. Alors, pour commencer, les filles, qu'est-ce que c'est le féminisme? D'abord le féminisme et puis on va aller avec le féminisme 2.0. Alors. D'accord. Je pense que l'idéal serait même de faire l'historique en soi du féminisme et ça nous aiderait à comprendre justement le terme. Mm-hmm. Et je pense qui de mieux que notre experte en la matière sur le plateau pour essayer de nous faire un petit résumé ou historique du féminisme. Oui, en fait, le féminisme est un mouvement militantiste où les femmes prônent l'égalité de genre, l'égalité de la justice, et aussi que les femmes soient reconnues en tant que telles. Donc, dans l'égalité de genre, nous avons plusieurs slogans qui sont passés selon les féministes. Mm-hmm. Donc, les slogans qui passaient généralement, c'est égalité de droit pour toutes, pour tous. Mm-hmm. Parce que lorsque nous voulons être féministe, ne doit pas être collé à juste comme une étiquette, mais c'est un mouvement où la femme va avoir plus de elle va avoir, c'est pas un mouvement de comparaison, mais c'est un mouvement d'acceptation. D'accord. Les hommes ou le monde doivent accepter que l'homme et la femme ont les mêmes niveaux. Oui. Les mêmes niveaux de réflexion, le même niveau, doit avoir le même niveau social, doit avoir le même droit aussi au niveau de travail. Si la femme peut avoir des postes de responsabilité, l'homme peut avoir un poste de responsabilité dans un milieu de travail, la femme aussi doit en avoir. Mmh. Dans le mouvement féministe, nous avons eu trois phases. Nous avons eu trois vagues, sorry. La première vague qui commence de fin 19e siècle au début 20e siècle. Cette période est marquée par les premières revendications pour les droits civiques et politiques des femmes, notamment le droit de vote. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Au départ, oui. Donc le vote était exclusivement réservé aux hommes parce qu'on pensait que les hommes pouvaient avoir un meilleur choix. Les hommes devaient mettre la logique dans leurs choix. Mmh. Et les choix des hommes étaient meilleurs. Lorsqu'un homme dit que le meilleur candidat est le numéro 1, ça veut dire que c'est vraiment le candidat qu'il faut. D'accord. Et la femme n'avait pas ces droits-là. Donc avec la première vague, les femmes se sont revendiquées le droit d'avoir le droit de voter. Mmh. Si l'homme a la capacité de mettre un avis sur une personne, la femme aussi doit avoir cette capacité. Donc les femmes ne voulaient plus à ce que elles soient chosifiées ou encore considérées uniquement comme femmes ménagères. Mmh. Donc elles n'ont que les privilèges ou encore elles n'ont que le prestige de tenir la maison et garder les enfants au chaud. Et pendant cette vague, des figures comme Mary Wollstonecraft, avec un ouvrage « Evocation of the Rights of Women ». Donc, elle avait un ouvrage en ce temps-là qui parlait plus de la revendication de ce que les femmes devaient avoir. La revendication, c'est que les femmes doivent avoir comme droit. Mm-hmm. Pourquoi la femme doit être différente de l'homme? Pourquoi la femme doit toujours être chosifiée ou encore mise au bas de l'échelle? Lorsque dans un débat homme et femme, c'est plus l'argument de l'homme qui est pris en compte. Mm-hmm. Et ce qui était plus contre, c'est que l'auteur n'avait vraiment pas apprécié. Elle a tout résumé dans son ouvrage. Donc l'ouvrage peut être trouvé sur Internet. Okay. Donc je peux répéter, Vindication of the Right of Woman, donc sorti en 1972. Okay. La deuxième vague commence de 1990 à 1980. Donc ce mouvement a élargi les revendications aux questions de droits de reproduction. Mm-hmm. Donc les femmes avaient le droit de garder l'enfant ou pas. Donc en résumé. Donc d'égalité professionnelle et des luttes contre les violences faites aux femmes, des figures telles que Simone de Beauvoir. Ouais. Que nous connaissons, la très glorieuse Simone de Beauvoir en France, avec les deuxièmes sexes, elle a fait plusieurs livres et tout ça. Donc à l'époque, la femme n'avait pas droit à l'avortement. Donc même si elle a été violée, même si elle a eu cet enfant sans les désirer, elle n'avait pas le droit. Mais à travers la deuxième vague, il y a eu de marches qui ont eu lieu. Il y a eu plusieurs revendications à travers le monde pour que la femme ait le droit d'interrompre sa grossesse. Mmh. Et surtout aussi parce que nous avons livré l'interruption volontaire et l'interruption thérapeutique de la grossesse.
Donc, volontairement, la femme voulait qu'elle soit elle-même maître de son choix. Elle dit que son corps l'appartient. Disposer de son corps. Exactement. Mmh, mmh. Le corps, son corps l'appartient. Elle a le droit de garder ou pas l'être qui est en elle. Et c'est ce qui a marqué plus la deuxième vague de ces mouvements militantistes. Et aussi les luttes contre les violences faites aux femmes. Donc, à l'époque, les violences faites aux femmes étaient un peu négligées. Bon, avant la deuxième vague. Oui. Donc, on dit que la femme était un instrument de plaisir. Donc, si l'homme pensait vouloir sortir avec une femme, il n'y avait pas vraiment de loi mise en place, ou encore il n'y avait pas vraiment des lois qui pouvaient vraiment restreindre ce genre de cas, ou encore c'était un peu plus négligé. On pensait que non, vous êtes entendu et c'est bon, tu as pu satisfaire, vous êtes entendu en tant que des adultes responsables. Mais après, ouais, la deuxième vague, mm-hmm, il y a eu vraiment de lois qui réprimandait sévèrement et qui pouvait dire à l'homme que tu n'as pas le droit de considérer la femme comme un objet de plaisir. D'accord. Donc, même si elle est adulte responsable, tant que la femme dit non, c'est non. Et c'est à travers ce deuxième mouvement qu'il y a plus encore des revendications. Okay. Parce qu'en ce moment-là, déjà que la femme peut décider de son corps, d'avorter ou de garder l'enfant, si l'enfant était volontaire ou pas, ouais, ou encore de dire encore non à tout type de violence faite à la femme, que ce soit violence conjugale, violence sexuelle, donc toute forme de violence devait être arrêtée. Et nous avons la troisième vague qui commence de 1990 en 2010. Donc cette vague met l'accent sur la diversité et l'intersectionnalité, intégrant les perspectives de race, de classe sociale, sexualité dans la discussion sur le genre. C'est encore un débat très houleux. Le féminisme est devenu plus inclusif et aborder des questions de représentation et d'identité. Mm-hmm. Quand je dis identité, actuellement, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Oui. Nous avons, alors là, l'homosexualité, la transsexualité. Mm-hmm. Donc, yeah, c'est vraiment la troisième vague où il y a eu tout ce mélange. Ouais. Tout ce mélange. Et du coup, on ne sait même plus. On ne sait plus vraiment quel a été vraiment la lutte principale. Pourquoi ces femmes ont voulu militer. Parce que la lutte principale de tout ça était la revendication de droits, l'égalité de genre et aussi... En gros, c'est même ça le féminisme, si on doit... Oui, au fur et à mesure que les années passent, cette notion a été déformée, surtout que les gens retiennent beaucoup plus la troisième vague et oublient les deux premières. Aujourd'hui, si vraiment vous posez à n'importe qui une question sur le féminisme, il va plus te renvoyer aux notions de la troisième vague. Exactement. Alors que la troisième vague, elle est beaucoup trop controversée. Il y a beaucoup de notions qui entrent en jeu. Il ne s'agit plus que du féminisme. De la femme, d'ailleurs, on va dire. On dirait que c'est maintenant autre chose. Parce que le mouvement féminisme, je pense, il est né simplement pour reconnaître, pour mettre en avant les droits, l'égalité de la femme avec l'homme, mais en tant qu'être humain. Ben, on ne voit pas d'abord le genre, le sexe, mais qu'on voit l'humain d'abord. Voilà. L'humain avant tout, sur la réflexion, la prise de décision. Comme on le dit tout simplement, tout comme un homme peut réfléchir, une femme peut réfléchir aussi. Un homme peut, à deux bras, deux jambes, vraiment, sauf si elle est en handicap. Mais vraiment, on a toutes les fonctionnalités pour faire un travail intellectuel, un travail physique, tout autant que les hommes. Mais voilà, mais le combat aujourd'hui, il est plus... Moi, je regarde une très bonne idée de la première et de la deuxième vague. En tout cas, s'il faudrait définir le féminisme en fonction de ces deux premières vagues, je dirais ensemble de mouvements, mais également d'idées philosophiques. Philosophiques qui ont tous... un but commun, à savoir définir, promouvoir et atteindre ce que je dirais l'égalité, l'égalité du point de vue politique, du point de vue culturel, social, civil, juridique, entre les hommes et la femme. Surtout professionnelle, parce qu'à l'époque, la femme n'avait pas de poste de décision. Parce c'est qu'actuellement, bien que ça soit encore un peu plus long... Dans notre pays, je crois, on est à 20%, 30%. Oui, mais c'est à cause aussi de la culture. Il y a la culture africaine, c'est ça aussi, parce qu'on pense que la femme a trop d'hormones, elle ne pourra pas prendre, elle ne pourra pas bien décider. Considérée comme l'être très faible. L'être très faible, si elle est dans un poste d'autorité, elle ne pourra pas s'affirmer. Mais non, le monde évolue. C'est vraiment le contraire, parce qu'actuellement, avec notre ministre, madame... C'est les femmes qui sont beaucoup plus fermes aujourd'hui. Il y a d'ailleurs, dans certains postes, c'est les femmes qui...
Oui. Mais surtout, il y a vraiment des gens qui traînent encore le pas. Yeah. Parce que le droit, surtout, le droit au même régime, disons, le droit aux mêmes conditions de vie professionnelle est très important. Tout à fait. Parce que si un homme est capable de prendre une décision, la femme aussi l'est. Donc, faudrait toujours donner de la chance à ce que les femmes puissent avoir des postes de décision. Pas toujours, mais il y a trop de stéréotypes qui se collent dessus. Mais comment elle va prendre une décision si elle est enceinte et si elle tombe? Il y a si beaucoup de critères. Là, ce sont des raisons qui n'ont rien à voir. Donc, pourtant, le féminisme a une cause profonde, en fait, a une raison profonde, souris. La raison profonde est de revendiquer nos droits sur tout le plan culturel, sur le plan civique, sur le plan politique, professionnel, mais avec les temps, ça commence à dévier pour aller l'exil. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, il faudrait, je pense, revoir réellement cette notion et surtout réinculquer les valeurs, les bonnes valeurs surtout du féminisme, puisque aujourd'hui, toute femme féminisme dans la société est considérée comme l'ennemie de l'homme. Et alors que c'est pas ça. Il faudrait revoir cette notion. Oui. D'autres personnes, quand je dis, j'avais entendu ça de la part de mon oncle, quand il dit quand une femme te dit qu'elle est féministe, mon oncle disait que non, cette femme est lesbienne. Ouais, vous voyez un peu comment, parce qu'aujourd'hui, comment tout ça est fini, en fait. Il n'a même pas voulu chercher. Quand je dis tu es féministe, non, faut pas dire ça, tu es lesbienne, alors que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le terme a vraiment un sens péjoratif, parce que il y a eu, on reconnaît qu'il y a eu quand même des déviations et énormément de même d'exagérations, des déviations, etc. Parce que je le pense, c'est venu à cause justement de la troisième vague qui est venue avec la naissance de une autre vague de pensée aussi. C'est avec la pensée du temps. D'orientation sexuelle. La pensée de l'orientation sexuelle. Les gens se cherchent dans l'identité. C'est un choc de plusieurs mouvements. On reconnaît qu'il y a quand même assez une crise d'identité. C'est la crise d'identité qui crée en fait tout ce dysfonctionnement dans le mécanisme du féminisme et qui le rend même le mot lui-même très, très péjoratif aujourd'hui. Jusqu'à penser même qu'une féministe est automatiquement lesbienne. Donc, chers téléspectateurs, moi je pense que si on doit retenir de ce que les filles ont dit, le féminisme c'est un mouvement, les féminismes ou une féministe. Si quelqu'un dit je suis féministe, c'est juste une femme qui lutte ou qui milite justement contre ses droits, qui veut revendiquer. Peut-être elle est au travail. On va donner par exemple ces femmes qui travaillent, elles sont en train de revendiquer leurs droits parce que peut-être elles sont maltraitées ou il y a des injustices. Au milieu professionnel. Donc c'est comme ça qu'elle est là, elle va faire du bruit, mais ça ne veut pas dire que c'est une lesbienne, ça ne veut pas dire qu'elle est contre les hommes. D'ailleurs, c'est un truc, je dois dire, on n'est pas contre les hommes. En fait, ce qu'on veut, c'est marcher côte à côte au lieu qu'on nous laisse derrière. Parce qu'on a toujours été derrière, la femme a toujours été celle qui a la cuisine. Alors qu'avec le mouvement féminisme, comme l'a expliqué Esther et Gracias, à l'époque, c'était des femmes qui se sont levées justement pour dire non, stop, on ne peut pas qu'être qu'à la cuisine ou qu'être au ménage, mais nous aussi, on a droit à avoir des rêves, à faire carrière, à voter, à être dans des partis politiques, etc., à avoir des métiers d'hommes, parce que les métiers étaient réservés comme aujourd'hui ingénieur, architecte, c'était que les hommes. Voilà. Donc voilà un peu si vous devez comprendre le mot féminisme en soi. Maintenant, si on doit que tu puisses développer, c'est aussi un sujet vraiment qu'il faudrait marteler dessus. Il faudrait savoir que le mouvement féminisme n'est pas réservé qu'aux femmes. Il y a des hommes qui sont également des féministes. C'est pas parce qu'on dit féminisme et il y a femmes que tu te dit que c'est né que pour les femmes. Comment on les appelle les iforchi? Masculinité positive. Exactement, qui soutiennent. C'est des termes qui soutiennent des féminismes également. Tout ça pour dire qu'il y a également des hommes qui sont féministes. Exactement, qui soutiennent des femmes. Et mis à part cela, le fait que la femme à la cuisine, tout ça, là, ça c'est un autre débat, on ne va pas discuter de ça. On va revenir là-dessus. Il y a le rôle de la femme au sein de son foyer, c'est bien sûr de maintenir son foyer, mais lorsqu'on parle de promouvoir les droits et autre chose, c'est plus du côté société. Exactement. Vous voyez un peu la place de la femme dans la société. On ne parle aujourd'hui, on va pas débattre sur la place de la femme au foyer. Ça sera un sujet, autre chose. Une autre on ne dit pas que une femme qui cuisine à la maison, qui élève ses enfants, ne peut pas également présider dans la société, ne peut pas avoir un haut poste dans la société. Non.
les deux sont totalement envisageables, les deux peuvent se faire. Mais aujourd'hui, on va plus, je pense, se concentrer sur l'aspect de la femme dans la société, des droits dans la société. Mais il est nécessaire d'éclairer que les deux sont envisageables. L'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'une femme a un poste élevé dans la société qu'elle ne peut pas éduquer ses enfants. Puisque généralement, je ne dirais pas que pour les hommes, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus les hommes qui en parlent. Elles se disent qu'une femme qui préside dans la société ne sera pas en mesure de bien gérer son foyer. Alors que ça n'a rien à voir là non, avec Non, c'est juste, comme on dit, il faut savoir faire la part des choses. Exactement. Tout à fait. Et même rébobiner sur ce qu'elle a dit sur le travail d'homme. En fait, avec les mouvements féministes, le travail d'homme n'existe pas. Oui, il y a c'est qu'on aimerait que ça soit retiré. Ouais, que ce soit le travail d'homme, il n'y a pas de travail de femme. Si l'homme est capable d'être ingénieur, la femme aussi l'est. Voilà. Si l'homme est capable de faire des équations mathématiques, de penser aux nuages, ou même de penser aux étoiles, la femme aussi est capable. Et si même la femme est capable de maquiller l'homme aussi. Oui, aussi. Aujourd'hui, on a... Parce qu'il n'y a pas de travail, c'est ça. Les meilleurs cuisiniers au monde, ce sont des hommes. Et ce qui le meilleur maquilleur, c'est un homme. Il y a des hommes sages-femmes. Ah oui. Il y a des hommes sages-femmes. Alors qu'avant, à l'époque, c'était que les femmes. C'était un boulot des femmes. Oui. Mais il y a des hommes sages-femmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu et ça m'a surpris même d'une certaine manière. Il y a des hommes qu'on qualifie sages-femmes. Il faudrait imaginer. Ça passe à la télé, c'est à l'Occident. Je ne sais pas si en Afrique, il y a beaucoup plus des hommes qui sont assez courageux pour se lancer dans ce métier. Mais je pense qu'ils sont minoritaires. Hein. Ouais. Ils sont minoritaires, c'est plus en Occident. Ouais. Mais c'est une façon de vous dire qu'en soi, ces postes-là que l'on réservait aux femmes sont maintenant ouverts aux hommes. Oui. Vous voyez et surtout les postes des hommes aussi ouverts aux femmes. Qui sont ouverts aux femmes. Donc c'est dans les deux sens. Donc le féminisme ne veut pas des limites. Travail réservé aux hommes, travail réservé aux femmes, tous nous pouvons faire c'est le travail. C'est travail réservé aux êtres tous humains. Nous avons le cerveau pour réfléchir de la même exactement. Manière. Exactement. On est égaux d'un point de vue de la loi, des droits, mais sauf que naturellement, l'homme et la femme, c'est deux personnes différentes. C'est on ne va pas se mentir. Chacun a son rôle. Voilà, exactement. Mais d'un point de vue de droit, des lois, de la société, humainement parlant, on a tous les mêmes droits. Les mêmes facultés, les mêmes devoirs et qu'on sort. Yeah. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, chers téléspectateurs. Alors, féminisme 2.0, là. Ça veut dire quoi, comme nous ici, la Congolaise 2.0. Non, féminisme 2.0. Donc, le féminisme 2.0, il y a une différence entre féminisme et féminisme 2.0. La féminisme 2.0, ça fait référence, à l'intégration des outils numériques et médias. Donc, les médias sociaux, dans les militantismes pour l'égalité de sexe. Okay. À l'époque, contrairement au féminisme tout court, c'était des marches physiques, des pancartes, des publications traditionnelles. Mais la différence fait en sorte qu'à travers le féminisme 2.0, le militantisme a un plus grand impact et elle atteint un plus grand nombre de personnes. Oui. Parce que si un slogan est lancé sur le féminisme, par exemple, hashtag égalité pour tous, ce sont des slogans qui sont répercutés sur les réseaux sociaux et ça atteint plus de monde. Exactement. Et à travers cette nouvelle approche 2.0, ça permet à ce que plus de gens connaissent en fait qu'est-ce que les femmes veulent revendiquer sur un sujet précis. Elles peuvent faire passer très bien les messages. Voilà, les messages peuvent passer d'une manière bien concise parce qu'il y a déjà un slogan lancé et il y a un plus grand nombre de personnes qui peuvent au moins se rendre compte que actuellement les féministes ont lancé un slogan, par exemple le slogan de l'égalité pour tous. C'est pourquoi égalité pour tous, parce que les gens voient les hashtags et ils disent mais pourquoi ça, ils vont entrer, ils vont faire des recherches, ils vont se rendre compte que c'est pour un sujet bien précis. Mais par contre, avec les féminismes traditionnels, il n'y avait pas la possibilité d'atteindre un grand public. Et les pancartes qui s'est limitée, par exemple, il y avait une marche aux États-Unis, cette marche aux États-Unis. Ouais, ici, il n'y avait pas de répercussions en Afrique. S'il y avait des lois votées aux États-Unis, c'était que là-bas, dans une province ou dans une ville. Voilà, c'était très restreint et le monde entier n'arrivait pas à avoir le même niveau de compréhension et pourquoi elle devait lutter. Ça devait maintenant faire en sorte que les gens descendent physiquement dans différents pays ou dans différentes régions afin d'expliquer, afin de sensibiliser et mobiliser les jeunes femmes pour qu'elles puissent lutter sur un sujet précis. Donc c'est un peu ça la différence. Gracias, quelque chose à ajouter? C'est vraiment tout à fait ça. J'aimerais juste ajouter un peu, mettre beaucoup plus l'accent sur
le féminisme 2.0, qui est beaucoup plus associé à l'ère du numérique. Donc, qui dit l'ère du numérique, c'est donc associé à tout ce qui est outils modernes de communication, à savoir les réseaux sociaux. Et je trouve que le féminisme également 2.0 met beaucoup plus l'accent sur des sujets assez contemporains, s'il faudrait le dire, tels que la sexualité, qui a toujours été un sujet assez... mis à part cela, avec le 2.0, il y a la représentation médiatique et sans oublier les violences en ligne. Donc, c'est également des sujets sur lesquels le féminisme 2.0 s'attarde beaucoup plus. Et donc, aussi, le faut le préciser, c'est le 2.0, c'est le féminisme de la génération d'aujourd'hui. Voilà, ceux qui s'identifient. L'identité d'aujourd'hui, la pensée d'aujourd'hui, la façon de faire d'aujourd'hui, parce que oui, peut-être avec des dérivés un peu, vous savez, je pense que sur le plateau, on a déjà parlé sur les différentes générations. La génération Z, tout cela. Donc, toutes ces générations-là ont eu des vagues de pensée, des vagues de réflexion, des vagues de fonctionnement et aussi des vagues de lutte. Pour quelques droits auxquels ils n'avaient pas accès et une façon de faire aussi. La génération d'avant, les milléniums, par exemple, ça se faisait... les boomers, pardon, ça se faisait avec des journaux, ils n'avaient même pas les haut-parleurs qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ça faisait de bouche à oreille, mais de ville en ville. Un journal, un courriel aujourd'hui, mais aujourd'hui, la lutte est plus facilitée avec nos outils technologiques, disons. Donc, voilà. Et les filles, quels sont les objectifs principaux du féminisme 2.0? Donc, l'objectif principal est la sensibilisation. Donc, quand on est sensibilisé, on doit sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur les injustices de genre. Promouvoir l'égalité des droits. L'égalité de droits doit être vraiment les chevals de bataille. Parce que avec les 2.0, disons, avec tout ce qui est technologique, tout ce qui est numérique, tout ce qui est jeunesse, les traditions essaient de nous bloquer, au fait. Les traditions et les coutumes essaient de restreindre les droits de la femme. Si, par exemple, comme on vient de parler tout à l'heure de la femme, lorsqu'elle a la prise des décisions, il y a un cachet qui lui colle que « à moi, c'est tant à Mingi ». Ça va être compliqué. Exactement. Non, mais comment il peut être compliqué? Pourquoi l'homme n'est pas aussi compliqué? Exactement. Ça veut rien dire, au fait. C'est comme elle vient de dire... Gracias, vient de dire... Elle a dit que les deux, l'un n'exclut pas l'autre. Elle peut bien avoir un poste de responsabilité, aussi savoir gérer son foyer. Donc, il y a tellement de stéréotypes qui sont liés à ça, que la femme et les hommes doivent être différents sur le point de réflexion. Mais maintenant, il faudrait toujours sensibiliser les plus grands nombres de jeunes, les plus grands nombres, parce qu'actuellement, les jeunes, disons, pas africains, mais les jeunes en général, ont une certaine vision de la femme. Et ils pensent que la femme, c'est les ménages. La femme, c'est garder la maison. La femme, si elle fait, elle a une mission de service pendant un mois, ses enfants ne seront pas bien à la maison. Non, mais elle peut bien gérer les deux. Si elle a une mission de service, elle peut bien amener ses enfants s'ils sont petits. Pourquoi restreindre la femme? Si l'homme est capable de voler comme un papillon, pourquoi pas aussi la femme? Donc, si la femme est capable, elle s'est dit qu'elle est capable de gérer les deux, les deux domaines. Et les domaines où elle est maman, et les domaines où elle a des postes de responsabilité, elle peut voyager. Pourquoi la femme doit être restreinte? Mais aussi, je veux rajouter sur le fait que quand les hommes, ce genre d'hommes qui pensent de cette façon, pensent que la femme est restreinte à une seule mission. Pour la majeure partie. Et qu'un homme est restreint à une seule mission. Déjà, en tant qu'être humain, on doit le reconnaître. En tant qu'être humain, on a la pensée, on a la réflexion. On peut être multitâche. On sait faire toutes ces choses. Et d'encourager surtout les femmes qui se mettent sur des voies professionnelles, je peux dire, qui prennent extrêmement de temps, mais qui ont la capacité de savoir gérer le travail et la maison. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est aussi dans la formation, je pense, parce qu'aujourd'hui... une femme est capable, entre guillemets, de faire ce qu'un homme peut faire, mais un homme n'est pas capable de faire ce qu'une femme peut faire, et tenir la maison. Mais c'est un devoir d'être humain, c'est un devoir d'être humain de savoir faire sa lessive, de faire son lit, nettoyer ses vêtements, garder son environnement propre, notamment sa maison, et lorsqu'on a une famille, de pourvoir aux besoins de son foyer. Ça, c'est un devoir
on va dire, les hommes qui se prennent disent être chef de la famille. Non, moi, je préfère plutôt dire que l'homme est leader. Oui. Parce qu'un leader, il ne donne pas des ordres, il croise les bras. Un leader, il conduit. Exactement. Un leader, il l'oriente. Un leader, il travaille aussi pour que les choses se fassent bien. Exactement. Et dans l'ordre. C'est même et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, un leader doit avoir la capacité, pas de réprimander, mais d'aider la personne qui ne, n'arrive pas à faire la tâche, à bien le faire et comme il veut qu'il le fasse. Exactement. Donc, si les hommes reprochent aux femmes de ne pas avoir la capacité de réflexion qui est humainement normale, bah, en tant que leader de cette société, devrait apprendre à la femme qui est aussi un être, qui est aussi qui est inclus dans le droit global, le droit de l'homme. Dans le droit global, le droit de l'homme, il n'y a pas que il n'y a pas encore la division droit de la femme, droit de l'enfant et droit de je sais pas quoi. C'est droit, c'est oui, voilà, c'est d'abord un, c'est un droit global dans le qui englobe toutes ces catégories de personnes là. Mais dans cette mais malheureusement, ça, c'est certainement culturellement, peut-être. Culturellement, voilà. Sûrement, c'est ça. Oui, culturellement, qu'on ne met pas... On parle, je pense, il y a toute une commission en DUDH, les droits universels. Vous voyez un peu. Et ce sont des droits universels qui sont associés aux hommes, tout comme aux femmes. Ce sont des droits humains. Et c'est simplement ce que la femme revendique aujourd'hui. Si on peut s'arrêter. Pardon, Esther, je voulais juste marteler sur ce que tu as dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, les hommes disent que voilà, une femme qui étudie ou qui est féministe, c'est pas akumakamakamakasi. Ou c'est même récemment, j'étais à un forum où la Dirkaba, Madame Nicole Boacha, elle disait ça. Elle a dit, vous aujourd'hui, quand vous voyez une femme intelligente, belle, qui sait ce qu'elle veut, les hommes ont peur. Ouais, on veut pas, on va pas épouser parce qu'elle est... non, on veut être dure, voilà, et tout. Alors que non, vous êtes, c'est juste un complexe, désolé, exactement, d'infériorité, parce que la femme aussi a le droit d'être très belle, en pleine forme, intelligente, ambitieuse, vouloir faire une grande carrière. Ça fait pas d'elle makamakasi. Non, c'est juste que voilà, si peut-être, désolée si tu te sens inférieure par rapport à elle, c'est parce que toi-même, tu as décidé de te rabaisser, que tu as toujours mis, tu as plusieurs pensées négatives envers ce type de femme. Mais non, ça reste une femme après tout. Donc, la femme, elle est douce naturellement. Mais je pense que des fois, au milieu professionnel, tu ne vas pas montrer ses côtés femmes parce que, en fait, vous êtes tous là pour travailler. Donc, tu es homme ou femme, si tu es directeur, tu dois être directeur. C'est-à-dire, tu dois donner des ordres, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu ne vas pas arriver là, commencer à être maman pour tout le monde. Non. Parce que je pense que des fois, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Que quand une femme est dans un poste de commandement, ah, il faut à la maman, une fois qu'elle est, elle donne des ordres, elle est sérieuse. C'est ça. Voilà, comme on va voir avec la première ministre, moi, j'ai entendu plein de choses. Les gens, ouais, elle a l'air dure, elle a l'air comme ça. Alors que non, pour les personnes qui sont proches d'elle, c'est une femme très douce, c'est une facile. Là, on a plein d'autres femmes comme ça qui sont mamans, mais c'est juste que sur le moment, c'est le poste qu'elle a. Tu vas pas aller voir une femme générale. Oui, elle doit avoir cette, elle a cette casquette de générale, donc elle doit se comporter comme un commandant, donner des ordres et consorts. Mais c'est au foyer, à la maison, c'est une maman, c'est elle a des enfants. Donc d'ailleurs, voilà. À ce sujet, moi je me dis, faudrait pas forcément se laisser emporter par les on-dit ou encore par les personnes extérieures parce que en soi, ils veulent quelque chose et ils veulent également le contraire. Parce que pour une femme qui se comporte de façon stricte, ils vont toujours parler en disant elle est trop stricte. Mais si elle est aussi... Si elle est douce, elle est trop douce, elle est trop légère, qu'est-ce qui va... Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi le mieux pour la femme serait juste de pouvoir adopter cette casquette-là, que ce soit de mère ou encore de DG, et de faire le travail qu'il faut. Oui, quand il faut. Sans tenir compte du regard extérieur. Puisque en soi... Ce que vous allez faire en tant que personne, en tant qu'humain, ne plaira forcément à pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont satisfaites et d'autres personnes, non. D'où la seule chose à faire, c'est fais ce que tu dois faire, fais le bien, sans tenir compte des avis externes, c'est tout. Et il y a aussi les plus grands problèmes, en fait, et que le poste n'a pas de genre. Oui, exactement. Mais si on dit que lorsque c'est un homme qui est DG, nalingakaï, parce que lui vraiment, il est droit. Mais quand c'est une femme, elle dit, makasi penza, aza dur. Même quand c'est un professeur, professeur royo penza, quand c'est une dame. Quand c'est un monsieur, on trouve ça assez normal. Ils trouvent ça normal. Le problème est que le poste n'a pas de genre. Si c'est un homme qui dirige, si c'est une femme qui dirige, tant qu'il y a les résultats atteints, il n'y a pas de problème. La preuve, il y a au féminin. On va prendre président, il y en a au masculin, au féminin. On va prendre professeur, il y en a au féminin, au masculin. C'est pour dire que
femmes ou hommes, c'est des postes qui... C'est les mêmes postes, mais il faut reconnaître en tant que féministe qu'il y a la présidente et le président. Évidemment. Il faut mettre ça obligatoirement. Oui. Sauf que c'est, les mêmes, c'est la même tête qui, résonne, c'est les mêmes capacités, c'est les mêmes compétences, tout ce qui va avec. Donc... Sauf qu'il y a seulement une différence de sexe, c'est tout. Oui. Oui. Mais donc, les plus grands problèmes, c'est lorsqu'on veut attacher à des postes de genre. C'est qui est un peu très compliqué à gérer. Donc, on reconnaît ici que le féminisme est là pour aider à revoir en fait la condition de la femme. Et d'ailleurs, j'aimerais partager une pensée de Michel de Montaigne qui dit « Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de la vie, les règles de vie qui sont introduites au monde. Okay. » D'autant que ce sont les hommes qui ont fait les règles et sans elles. Donc, elles ne sont pas incluses dans certains fonctionnements parce que les hommes, notamment, ont pris ces décisions seuls. Ils n'ont pas pris la vie féminin. Ils sont simplement imposés et au fil du temps, la femme se sent oppressée. La femme se sent mise en cage. La femme ne se sent pas libre de ses mouvements et de sa réflexion, de sa pensée. Parce qu'on le reconnaît dans les années qui ont fait développer la NASA, la NASA américaine. Donc c'était un cercle de femmes mathématiciennes qui ont développé des formules. Et ça, ils n'en parlent pas. Ils en avaient honte. Ils ont reconnu, donc c'était des femmes qui ont développé des formules, qui ont développé vraiment ce que la NASA... Je crois qu'il y a un film là-dessus. Il y a même un film dessus, oui. Des femmes noires. Oui, en plus des femmes marginalisées. Donc voilà pourquoi il n'y a pas vraiment la lumière mise sur elles. Voilà. C'est elles qui ont marqué vraiment l'histoire de la NASA. Et il y a beaucoup de choses. Même pour les cheveux, j'ai suivi un film, c'était très émouvant. C'était à l'époque. Aujourd'hui, on est là, on voit les afros, on voit les lisseurs et consorts. Vous savez que c'est une femme noire qui est venue avec ça. Il y a carrément un film sur Netflix. Moi, j'étais choquée. Elle a commencé, vu que les femmes noires avaient pas, des fois, laissé leurs cheveux comme ça ou n'étaient pas très bien soignées. Elle a inventé la pommade. Aujourd'hui, les pommades là qu'on voit, c'est une femme noire. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été la première femme à avoir une usine. Okay. Elle a commencé, parce qu'elle a commencé petit à petit, elle vendait des petits produits, elle est venue avec les systèmes de fer à lisser, mais à l'époque c'était autre chose. Okay. Donc elle a ramené des gammes de produits pour les femmes de couleur noire, parce qu'à l'époque c'était que les femmes d'autres, alors elle a ramené, elle est venue avec les pommades, des shampoings, plein de soins. Aujourd'hui tout le soin qu'on voit, même qu'elle est blanche, elle-même utilise, c'était une femme noire qui avait commencé. Et donc vous voyez un peu, c'est pour dire que les femmes sont venues, c'est pas l'homme qui est venu avec les shampoings, qui a commencé à produire, parce que beaucoup de personnes peuvent penser que ça vient de ça, mais non. Donc, Et on va dire que même l'invention du réfrigérateur, du frigo communément appelé, c'est une femme qui a inventé ce genre de ustensile là, mais elles ne vont jamais être mises en lumière simplement parce que les hommes, certainement de l'époque, le mouvement totalement patriarcal, refusent de mettre en avant la pensée, la réflexion et l'intelligence même de la femme dont je parlais, la considérant comme un être elle inférieur. Elle a fait ça pour justement qu'on accepte son projet. Je pense que je vais vous conseiller les films, franchement les filles, vous allez aimer. Quand elle a commencé au début, c'était très bien. Ensuite, les hommes ont dit non, on ne peut pas accepter qu'une femme puisse évoluer comme ça. Pourquoi elle sera? Parce qu'elle a commencé à vendre ses produits tellement ça se vendait qu'elle a été, je crois, la première femme à faire des millions en vendant ce qu'elle faisait. Et elle a été vraiment, elle a eu des bâtons dans le roue par rapport aux hommes et qui, même c'est des hommes noirs comme elle, justement, ont mis des bâtons. Non, même son mari était contre. Non, pourquoi? Et tout, une femme, tu devrais, ça. Et c'est des choses comme ça voilà, ça fait très mal, mais on ne veut pas se rendre compte que la femme aussi est très, très intelligente. Elle peut faire bien plus que ça. Elle peut faire des recherches scientifiques. Oui, surtout ces recherches scientifiques. Il y a Marie Curie, la première femme à avoir inscrit les polonium dans les tableaux périodiques. Avant la mort de son époux, c'était les recherches. En fait, c'était elle qui était la manivelle, en fait. Oui. Son mari prenait les devants. Mais à la mort de son mari, nous sommes tous rendus compte que c'était la femme. La femme Marie Curie. Donc le polonium, donc femmes sont vraiment très intelligentes, mais en fait la société met un poids en sur fait, elles oui. et oui, aussi fait. Elles se sous-estiment. On aime nous faire descendre, en fait nous faire croire, on a fait un lavage de cerveau pendant longtemps pour nous dire que on ne peut pas faire ci. Je pense que les femmes à l'époque, tellement on leur disait que non, la femme, toi, tu dois faire ci. En fait, c'était comme une sorte de manipulation. On nous mettait déjà quelque part dans une boîte et on nous faisait croire que nous sommes incapables de sortir de cette boîte. Surtout le mot faible, et la femme, c'est l'être faible. Donc, quand tu es faible, tu es pas intelligent. C'est ce genre de pression. Tu ne peux pas être devant de quelque chose. Et je rappelle que ce genre de pression, c'est ce qui a fait le système de colonisation.
C'est de vous mettre, de vous encaisser dans une boîte pour vous dire que l'homme noir n'est pas capable de ci. Et aujourd'hui, moi, je déteste la pensée qui dit, quand j'entends quelqu'un dire, ah, en tout cas, l'homme blanc a pensé à tout, hein. Oh, pardon, l'homme blanc a pensé. Non. Je dis non, 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 non. Ce n'est pas l'homme qui dit, blanc qui a pensé et moi, à quelque chose, c'est l'homme tout simplement. Qui m'énerve par rapport aux femmes. Tu vois un homme qui dit, ah, mais franchement, t'es très intelligente pour une femme, hein. Pardon. En fait, si je veux, c'est comme dire, si c'est la dire femme quoi. N'était pas censée être intelligente. Elle va te dire, tu es jolie, t'es intelligente, mais les mains. Oui. Mais pour la femme n'est pas censée être intelligente. Donc, tu sors du... La société a déjà prédisposé les hommes à une grande carrière. Yeah. À l'intelligence. Exactement. Au prestige. Et la femme doit être juste derrière. Maintenant, c'est un peu dur de voir une femme intelligente, belle. Il faut toujours la rabaisser à un certain. Donc, ils vont toujours dire, ah, t'es jolie, t'es intelligente. Mais c'est une façon de voir. Le mais là, ça casse beaucoup de choses. Ça casse. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, et je me dis pour encore longtemps, le temps qu'on arrive à ce 50-50, la femme est très, très loin. Obligée de faire. Si ce n'est pas deux fois, même trois fois exactement. Le travail d'un homme pour être reconnu. Et même maintenant, il fait trois fois. Parce que l'homme, il le fait qu'une fois. Il travaille, Surtout pour les projets. Tu vois, normal, le projet d'un homme alors qui est présenté. La femme, elle doit travailler, elle doit fournir, je pense, trois fois plus d'efforts que l'homme pour être reconnu. Oui. Alors que c'est pour le même travail. Et je pense qu'il va falloir qu'on puisse encore supporter ça pour quelques années. Yeah. Le temps qu'on arrive à ce parfait 50-50 sans tenir compte de quoi que ce soit. Puisqu'en soi, je me dis, le féminisme s'est justement levé. C'est un mouvement qui est justement né pour mettre fin à toutes ces discriminations. Ce sexisme-là qui existe. Parce que là, je pense, en soi, c'est ma définition. Exactement. Suite au débat qu'on vient d'échanger. Si, mais par contre, actuellement, c'est plus les projets des femmes qui sont mis en lumière. Surtout dans les agences des Nations Unies. Si un homme postule, par exemple, s'il faudrait avoir 70% de points, si un homme et une femme postulent, la femme a 69 et l'homme 70, on pourrait faire prendre la femme. Donc actuellement, les femmes sont plus promues. On commence à ajouter. On reconnaît, maintenant. C'est récent, mais c'est les organismes. Non seulement c'est récent, mais c'est également plus du côté occidental. Oui. En Afrique, c'est encore très loin. Tu vas aller récemment, on est allé quelque part, on avait rendez-vous justement pour dans une structure, on a vu plus d'hommes. En plus, plus d'hommes. Mais le problème aussi, c'est les femmes, s'il vous plaît. Oui, moi, je ne suis pas une féministe aveuglée. Yeah. Donc, on a besoin d'une égalité 50-50, c'est mais vrai. Nous-mêmes mais aussi. La femme doit être compétente. On ne peut pas placer la femme dans un poste simplement de décision pour avoir un quota. Pour avoir mais un respecté un quota. La femme doit être placée là par compétition. Donc, elle a eu une compétition. Elle est pleine de connaissances. Elle doit être placée. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des femmes qui insultent les autres femmes qui ne sont pas intelligentes. Donc, si une femme doit avoir un poste de responsabilité, c'est par rapport à sa compétence. Donc, elle est compétente. Et elle peut bien diriger. Et ça, moi, je n'aimerais pas cette image où on peut me placer juste la femme pour un quota. Parce non, que non, c'est ça. Vous avez une réunion ça, si tu as sur 50-50. Nous avons il y a non. peu près 40. Nous, les femmes aussi, nous devons mériter. Nous avons que 3 femmes qui sont compétentes. Oui. Ben les moi, je pense qu'on doit mériter aussi. Oui, la méritocratie. Les femmes doivent être poussées. Mais aussi, elles doivent être aussi compétentes. Ou conscientes elles-mêmes. Aujourd'hui, les femmes ont du mal. En fait, elles ne veulent pas oser. Elles ont peur, elles disent, ah ça c'est, tu verras des termes, je ne sais pas si vous avez entendu. Mais c'est justement. Ah ça c'est pour les hommes, en fait on est en 2024, on est au 21e siècle, il n'y a plus de, oh ça il faut que ça soit pour les hommes, ou moi je ne peux pas faire ça, non. Tu es une femme, tu es capable. Donc, si tu veux faire carrière dans l'ingénierie, tu es très capable. Si tu veux faire une grande carrière dans la plus intelligente. Hein. Voilà, tu veux faire carrière dans la politique, tu es capable. Il faut juste te battre, comme Esther a dit. Donne-toi les moyens. En fait, cultive-toi. Aujourd'hui, les filles veulent que... Tu verras même à l'université, c'est plus les filles... Comme on dit, on a parlé de ça, le point sexuellement transmissible. Toi, c'est là qui nous réduit, en voilà. fait, le problème. Toi, t'es là pour étudier. Et puis, le lendemain, quand tu verras l'homme là avec qui vous avez étudié ensemble, fait une grande carrière, avance, en fait, tu es là et tu commences à te dire, non, je ne veux pas prendre ça. En fait, en gros, moi, je me dis, tout ça là, c'est bien beau. Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, les femmes vont atteindre ce niveau. Mais il faudrait savoir que les femmes du monde sont encore victimes d'un traumatisme. Le traumatisme ne se guérit pas en un instant. C'est un mois, en disant non. Tout dépend surtout de l'impact de ce traumatisme. Il faudrait savoir que la femme a vécu dans cette boîte-là durant plusieurs décennies et ce n'est pas facile de guérir d'une telle plaie. Exactement. Nous sommes actuellement en voie de guérison. Vous voyez, voilà pourquoi il y a encore plusieurs femmes qui ne se font pas encore à l'idée qu'elles sont en mesure de sortir de la boîte où la société les a placées. Vous voyez un peu, c'est à des pas hésitants, mais je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, la femme pourra réaliser pleinement son potentiel. Mais il faudrait
qu'on puisse se rendre compte qu'actuellement, la femme est en traitement. Elle suit un traitement pour guérir justement de ce traumatisme-là, pour comprendre qu'elle a les compétences de faire ce que l'homme peut faire dans la société. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'attarde trop sur la femme. Parce que je garde toujours l'exemple des points sexuellement transmissibles. Il y a beaucoup de femmes qui se disent qu'il n'y a pas d'autre solution pour moi. Surtout lorsqu'il y a l'homme qui te met dans une situation, il y a le professeur qui garde tes points et tout, il t'empêche de passer au niveau suivant à l'école. Tu vois, l'homme te met d'une certaine manière dans un caste, dans une boîte. Il te dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux pas sortir. La femme doit avoir le courage maintenant justement de se dire qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres femmes qui sont, d'autres filles, pardon, femmes qui sont vraiment, elles sont, comment dire, elles sont très paresseuses. Oui, on est en 2024, ça fait quand même un moment, on voit comment les gens en parlent. Ce n'est pas comme à l'époque. J'allais comprendre à l'époque où c'était vraiment, mais aujourd'hui, tu vois que c'est un peu plus détaché. Et aujourd'hui, désolé, on va aller dans certaines universités, tu vois carrément les filles qui savent, mais qui ne veulent pas faire d'efforts. Ça, maintenant, c'est ce qu'on veut passer dans ces... dans ce sens-là que je dis que nous-mêmes aussi, nous devons nous faire violence. On s'est fait un peu, on doit arrêter de se faire une victime. Je pense que oui, les femmes à l'époque étaient vraiment, vraiment celles qui étaient très victimes. Aujourd'hui, ces femmes se sont battues, elles sont même mortes, certaines, pour justement militer. Aujourd'hui, on voit maintenant, il y a des ouvertures. Nous, maintenant, de cette génération, nous devons en profiter. On ne peut plus se donner, on ne peut plus, en fait, donner des raisons. Tu vois un peu, on doit maintenant se dire, il y en a, c'est vrai, on est traumatisé, on ne refuse pas. Mais une façon aussi, justement, des femmes qui sont traumatisées est de sortir de là, de se dire, je ne suis plus victime. On a été, maintenant là, il est temps pour nous maintenant d'avancer et de faire ceci, cela. Parce que tu vas aller dans des universités, tu vois, même on est tous étudiants, on a des filles, elle sait très bien qu'il faut qu'elle se batte. Tu veux faire carrière, moi je connais plein de filles aujourd'hui qui ne veulent même pas faire un effort de faire ne fût-ce qu'une petite carrière. Elle attend seulement qu'il y a, quand il y aura une bonne occasion, quand je vais peut-être, il y aura un DG où je sortirai avec elle, tout ça. Tu vois un peu dans la tête de beaucoup des femmes. Dans ce sens-là, c'est vraiment compréhensible. Oui, exactement. Moi, je suis contre cette idée. Et donc, moi, je suis contre ça. Mais je me dis que d'un certain côté, on sait qu'on ne va pas faire qu'on puisse tenir compte de cet aspect-là de trauma. Mais le problème est que si on tient compte de cet aspect, nous, on a déjà tenu compte de ça. On s'est rabaisse. Le problème est que c'est la situation d'esclavage. Non, c'est comme l'esclavage. À l'époque, on disait que l'homme noir doit être esclave, l'homme noir doit faire ceci. Bien que les racismes existent, mais nous, en tant qu'homme noir, on ne veut plus être victime. On sort de là, on invente, on ne veut plus être victime. Lorsque nous-mêmes, en tant que femmes, on dit que nous sommes dans un trauma, il faut attendre. Bien que si on le dit, nous-mêmes encore, on s'est rappelé. C'est un processus qui, heureusement, on s'assume pas. C'est ça le point positif. Un processus qui a déjà commencé. Mais il faudrait reconnaître le fait que c'est un processus. On ne brise pas les barrières d'une prison en un jour. Non, mais ça fait des années. Ça fait combien d'années qu'on a commencé avec cet élan de féminisme? Le féminisme, déjà, est un début de processus. On doit quémander nos droits de sortir de cette cage. C'est lorsqu'on se victimise, on n'arrive pas à sortir. Là, on ne parle pas de quémander. Non, mais c'est ça. Non, parce que lorsque vous dites que, lorsque tu dis que nous sommes encore dans des traumas, non, depuis qu'on a c'est trauma là. Bien que nous sommes dans j'ai pas dit que nous sommes en trauma. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la femme a été traumatisée et actuellement elle est en traitement. Non, il faut pas si on a elle est en train de puisque le traitement c'est le fait de sortir du féminisme. En sorte que j'ai pas réussi parce que c'est encore un trauma que j'essaie de sortir dedans. Moi je pense qu'il faut qu'on parle. J'ai l'impression que tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Non, le premier que j'aimerais seulement rajouter qu'on ne doit pas tout le temps se victimiser. Oui. Parce que lorsqu'on est tout le temps victimisé, nous-mêmes, on ne se donne pas la chance. Oui. On commence à quémander, s'il te plaît, fais-le. Si la femme échoue, elle commence à se... Elle-même recule, c'est parce que je suis encore... peut-être, je n'ai pas encore la chance. Non, si tu échoues aujourd'hui, échoue demain, le mercredi, ça va réussir. Oui. Mais si tout ça, là, c'est un processus. Tu ne fais que redire. C'est que Chandra, elle est en train de... En fait, elle a rajouté, tu as dit, c'est un processus, mais sauf que nous, on dit aux filles qui nous suivent, là, maintenant. On ne veut pas dire que c'est manque. On sait que c'est un processus, c'est fait. Mais on veut dire à ces filles que maintenant, que c'est en fait, comment dire, en fait, de ne pas se plaire dans le trauma, mais que maintenant, avancer, c'est ça que j'essaie de faire, de dire en fait, que je pense que tu n'as pas compris. Parce qu'avant de guérir, il faut reconnaître la maladie. On est dans un processus, nous tous, on fait un effort, mais sauf que ce qu'elle essaie de dire, ce que j'essaie de dire, c'est que à ces jeunes filles qui nous regardent, il ne faut pas seulement dire que c'est un processus, qu'on est en train d'aller. Non, il faut plutôt dire que non.
faut arrêter là c'est où décider, tu es. Sors, décide-toi, décider. Sors. Parce qu'il y a ces filles qui vont nous suivre aujourd'hui à la télévision. Oui, elles sont là, elles ont peur. Mais nous, on est là justement pour leur dire que, voilà, bien qu'il y a la peur, bien qu'il y a la crainte, bien qu'il y a tout ce mouvement, regarde tout ce qui se passe. Mais voilà, aujourd'hui, il faut maintenant arrêter d'attendre. Il ne faut pas toujours attendre qu'on te tende la main pour que tu puisses sortir de là. Tu es traumatisé, c'est vrai, on a eu ces traumatismes. On a tous on vient des familles très différentes où on a vécu ces rabaissements et tout. Et puis la société n'arrête pas de nous rabaisser chaque instant sur ça. Mais c'est à toi de te dire non, il est temps de monter. Donc, si tu veux faire carrière, si tu as des ambitions, fais-les, bats-toi. Et comme elle a dit, peu importe comment tu... À chaque fois que tu seras rabaissé, que ça soit fait d'une force que tu puisses tenir tête à ces personnes. Mm-hmm. Tu vois un peu, moi aujourd'hui, personnellement, je n'accepte pas un homme qui, quand déjà tu as un petit, même tes paroles, je sens déjà que tu essaies de vouloir me rabaisser en tant que femme, en tant que personne. Je te remets à ta place. Je ne veux même pas entendre parce que le fait de laisser les personnes te dire si ça, ça joue aussi sur ton mental et ça continue encore, ce traumatisme ne va jamais s'arrêter. Mais c'est à toi de te lever et de dire non. Nous, aujourd'hui, on est là devant, c'est pas aujourd'hui, on n'est pas né peut-être avec cette pensée directement. Mais je pense qu'on a nourri ça dans nos cœurs, on a travaillé dessus et une fois, on a parlé même du développement personnel. Mm-hmm. En tant que femme, en tant que personne, si tu manques de confiance en toi, en soi, si tu manques ça, c'est des choses à travailler. Toutes ces femmes qu'on a citées qui ont eu à faire ci, ont fait des recherches, je pense pas qu'elles sont nées comme ça. Mm-hmm. Elles ont aussi vécu d'ailleurs dans des situations où c'était pire que maintenant. Révolte. Mais elles ont été, tu vois, il faut avoir ça, il faut te révolter, non, voilà, et c'est comme ça que j'ai dit à ces filles qui attendent, qui ne veulent pas oser, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, qui on est à l'université, qu'on donne des TP, qu'on donne des travaux, quand tu étudies, cultive-toi, aujourd'hui on admire tous la première ministre. Mais c'est une femme qui a un background énorme. Mmh. Elle s'est battue. On a tellement des dames, des femmes générales. Elles ont eu la même formation militaire que les hommes, qui n'est pas facile. Mais aujourd'hui, elle mérite ses postes. Donc, il ne faut pas se dire, non, il faut naze à la déjà un jour. Tu attends que ça te tombe dessus. Tu t'aimes. Non. Il faut que tu te battes. En fait, le chemin vers la réussite n'est pas facile. Homme ou femme, ce n'est pas du tout facile. Tout comme il y a des hommes qui se battent, qui arrivent à être président là. C'est tout un processus, hein. Rien que quand tu vas attendre les... Comment, tu vois que c'est des personnes qui sont battues. C'est vrai qu'il y a d'autres, il y a eu un coup de chance. Mmh. Mais il y en a vraiment qui se sont battues. Il ne faut pas aller dans la chance. Il faut aller dans le sens qu'on va se battre pour nos droits. Mmh. On va se battre pour ci, ça. Et moi, je pense que c'est ça. Nous toutes ici, on est là, on a des ambitions. Mmh. Et on se bat pour ça. Donc, c'est vrai que des fois, la vie te rappelle. Il y a des situations qu'on vit. Mais on essaye de se dire, OK, on a un objectif, on a ci, on a ça. Et je pense que c'est un peu ça que Gracias et Esther, plus ou moins, oui, ont voulu essayer de faire comprendre. Donc, si on est sur ces processus-là, je suis très d'accord avec toi, Gracias. Mais d'un côté, il faut vraiment qu'on arrête de se faire victime. Mm-hmm. Beaucoup maintenant se font victime. Et c'est comme ça qu'on a ces mouvements-là, des LGBT, tout ce qui va avec. Les gens essayent vraiment de donner plus. En fait, il faut qu'on arrête de donner pitié, tu vois. Qu'on, oui, on va leur faire. Donc, on va leur donner une chance. C'est des femmes, elles ont fait du bruit. Il faut. Non. Nous-mêmes, il faut qu'on se dise. Non, ces hommes doivent comprendre qu'on n'a pas besoin de leur pitié. Ouais. Et qu'on reconnaît, on connaît notre identité et qu'on tient debout, ferme, oui, dessus. Exactement. C'est ça, il faut montrer que l'on se connaît assez. Parce que quand on est dans l'hésitation, en fait, c'est ça, il faut savoir se vendre, hein, se vendre, vendre ses capacités, vendre son intellect et vendre sa personne en tant qu'être humain. Pas seulement, mais aussi en tant que femme, parce qu'on doit nous reconnaître en tant qu'être humain et aussi en tant qu'être particulier, donc femme. Il ne faut pas se lever avec hésitation, il faut tenir ferme, parce que c'est l'hésitation, c'est quand on est dans le doute nous-mêmes, hein, et dans la peur que les personnes, les hommes justement, quand ils nous perçoivent, ils nous voient comme ça. Mmh. Et ils vont continuer justement à trouver ces failles là, remarquer nos peurs et notre hésitation et appuyer dessus, ce qui va nous enfoncer encore plus. Exactement. Tout est dans l'identité. Parce qu'un homme reconnaît, peu importe d'où il a grandi, comment il a grandi, il y a certainement une pensée qui conduit l'homme quand il est élevé dans une famille. Et malheureusement, aujourd'hui, la pensée qui conduit la femme, c'est qu'elle est d'abord préparée au foyer avant d'être préparée à la société. Mmh. Et l'homme est préparé à la société avant d'être préparé au foyer. C'est ce qui crée un déséquilibre. On n'a pas de foyers qui sont équilibrés aujourd'hui, parce que l'homme, tout ce qu'il sait faire, c'est se réveiller, aller chercher l'argent et revenir. Ouais. Il n'a pas d'autre rôle à remplir. La femme, ce qu'elle doit faire, c'est se réveiller, arranger la maison et se rendormir. Voilà, et s'occuper de son mari. C'est totalement déséquilibré et c'est une pensée totalement fausse qui doit être revue justement. Exactement. Quand on se réveille de ce monde un peu bizarre et qu'on se dit il faut que les choses changent. Et c'est là l'origine de la naissance du féminisme, tout simplement. Exactement.
Ah, mais je pense que oh, c'est un vaste sujet. Mais on a voulu expliquer, en fait, les termes, les historiques, pourquoi, comment. On a essayé un peu de... On a fait les grandes lignes. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez compris aujourd'hui c'est quoi le féminisme et le féminisme 2.0. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi ne pas confondre... Enfin, pourquoi ne pas confondre les féministes n'est pas égal à on est en guerre avec l'homme, avec les hommes? Non. Quand quelqu'un aujourd'hui, tous ces hommes qui nous suivent, quand une femme va dire « moi, je suis une féministe », sachez juste que c'est une femme qui milite contre ses droits. Voilà, où elle est dans un mouvement des femmes, ses droits, pardon, où elle est dans un mouvement, pour une féministe, celle qui dit « je suis féministe », elle est juste dans un mouvement des plusieurs femmes qui sont en train de militer, qui se font violence justement pour que tel droit ou telle chose leur soit accordée ou puisse, comment dire, qu'on puisse, en fait, lever leur voix pour se dire « ok, on doit se faire entendre ». En fait, voilà, donc il ne faut pas confondre. Merci les filles, merci Esther, merci pour tes arguments qui étaient très solides. Merci. Alors, nous allons finir avec la table ronde. Nous avons fini avec la table ronde. Nous allons passer au conseil du jour. Comme toujours, nous laissons notre conseil du jour à, notre invité, justement, concernant le sujet. On a eu à débattre sur les féminismes et qu'on sort les conseils. Alors, en quelques mots, en quelques phrase, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à cette jeune fille ou même à ces jeunes garçons qui nous suivent, voilà, à ses parents, voilà, qui nous suivent, qui ont des enfants? Quel conseil donnerais-tu pour ces personnes concernant notre sujet du jour? Concernant le sujet du jour, le conseil que je peux donner surtout à la jeune fille, l'échec est un processus. Accepte de chouer, mais ne reste pas assise. Si tu tombes, relève-toi. Tu vas échouer lundi, tu vas te tomber mardi, mercredi, tu vas encore rechuter, mais sache qu'il y a un jeudi qui existe. Tu vas remonter le jeudi, samedi, tu vas trébucher et dimanche, tu auras ta coupe. Donc, ne baisse jamais le bras. Si tu as un objectif, si tu as une vision claire, que personne ne te décourage, sois juste capable de savoir que ce que je fais est bon et que tu es en ordre avec ta conscience. Sois capable d'affronter les défis comme un guerrier. Il ne faut pas qu'on ait pitié de toi. Il ne faut pas te morfondre sur ton sort. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a échoué. Mais personne n'est arrivé en un clin d'œil. Si les autres sont arrivés, tu peux y arriver. Donc, aie confiance en toi. Merci. Merci Esther. Oh là là, mais quel bon conseil, hein? On sent la militante. Hein? Merci pour tout. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été édifiés tout comme nous. Voilà, et que les idées concernant les féminismes ont été un peu plus éclaircies. Suivez-nous sur Congo Buzz TV chaque samedi et dimanche à 19h35. Les liens sont sur YouTube, Congo Buzz TV. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, La Congolaise 2.0. Pour toutes vos questions ou si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser des messages et des commentaires sur le numéro qui est affiché juste sur l'écran. Portez-vous bien. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, bonne soirée.